Nous sommes en Limousin, dans le département de la Haute-Vienne, dans cette ville de Saint-Léonard riche en patrimoine, à la fois patrimoine historique, mais aussi patrimoine culturel, puisque deux musées sont proposés à la visite, mais aussi un cinéma, un riche programme culturel avec des spectacles, des concerts durant toute l'année, et puis bien sûr des loisirs récréatifs avec Aquanobla, mais aussi des chemins de randonnée qui permettent de découvrir la campagne autour de la ville. Cette ville de Saint-Léonard va se développer autour d'un carrefour et à la période médiévale va connaître une grande période de prospérité due à un pèlerinage sur le tombeau de Saint-Léonard. Le bâtiment majeur de cette ville, c'est la collégiale. Collégiale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre du classement des bâtiments qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Deuxième époque de prospérité pour la ville, c'est le 17e, 18e siècle, un petit peu le 19e siècle, avec le développement d'activités artisanales importantes, dont la tannerie, mais aussi la porcelaine pour le 19e siècle, et surtout le papier qui va faire la richesse de la ville durant toute cette période, dont il reste aujourd'hui le moulin du Gault qui est encore en activité. Le moulin du Gault, c'est un moulin à papier depuis le 15e siècle. Il a eu déjà une longue vie et aujourd'hui, il réécrit une nouvelle page dans son histoire. C'est à nouveau un lieu de production, papetière, on y fait du papier d'art, on le transforme sur place dans une imprimerie artisanale, mais c'est aussi un lieu de visite, entre 12 000 et 15 000 visiteurs par an. C'est aussi un lieu d'activité pédagogique, un lieu de création, avec des ateliers qui sont programmés toute l'année et un lieu d'exposition. Une grande exposition par an est présentée dans l'ancien séchoir du moulin. C'est un lieu donc de production, d'activité culturelle et d'activité touristique. On mange bien à Saint-Léonard puisque l'on a la viande limousine, Saint-Léonard étant le berceau de cette race, mais aussi de nombreux fromages, des pommes et la spécialité emblématique de la ville qui est le massepain. C'est un excellent biscuit à base d'amandes pilées, de sucre et de blanc d'œuf. We are just here and you have different points with some information. You can... La qualité des paysages nous permet de disposer d'un cadre idéal pour pratiquer la randonnée qu'on va faire à pied, à cheval ou encore à VTT. On va avoir des circuits de 3 km, 4 km, de petites balades familiales. Et puis on dispose de circuits plus importants, d'une vingtaine de kilomètres, qui traversent plusieurs communes. Tous ces circuits sont balisés et sont inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. On dispose d'autres activités de plein air, comme le geocaching, qui est une chasse au trésor guidée par GPS. On peut également pratiquer le parcours d'orientation. Et pour ceux qui ont envie de se délasser, on peut également pratiquer la natation grâce à un très bel espace, l'espace aquatique Aquanobla. L'espace Aquanobla est un centre aquarécréatif. Ce projet a été porté par la communauté de communes de Nobla en 2009 et il a été conçu par le cabinet Bevel Architecture. Cet espace aquarécréatif comprend un bassin sportif homologué au niveau régional, un bassin ludique et de détente, une pataugeoire ainsi qu'un espace forme détente, sauna, jacuzzi et hammam. L'espace Aquanobla, sa vocation, c'est d'accueillir tous les publics, dont bien entendu la natation, avec la natation scolaire, les cours de natation, l'école de natation, mais également
permettre aux gens de pouvoir pratiquer une activité sportive. Nous proposons des activités telles que l'aquabike, l'aquafitness, l'aquagym, mais également des activités plus réactivités comme l'aquacircuit. Le samedi matin, les bébés nageurs sont accueillis également pour toutes les familles. L'espace Aquanobla possède également une plateforme de jeux aquatiques, l'Aquatoon. Cette plateforme de jeux a été complétée cet été par un bassin extérieur. Ainsi, les nageurs peuvent profiter de deux lignes de nage de 25 mètres, d'une plage immergée, de limaçons, de gémaçons, afin de se détendre. On peut venir toute l'année, toutes les activités et les bassins sont ouverts 7 jours sur 7. Vous avez pu découvrir quelques-unes des activités que l'on peut vous proposer à Saint-Léonard. Activités sportives, mais aussi activités culturelles. On y mange bien? Donc il y a plein de choses à faire ici à Saint-Léonard. Plein de choses à faire. Venez nous voir. Posez le détour.